Donc, semaine à Sans Topic Death, on se retrouve sur comme tête sur sa Dream Team. Qu'est-ce que vaut ce nouveau Mark O'Hairan sorti sur le portail Vitesse aujourd'hui? Eh ben, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Allez, c'est parti, O'Hairan, clac-clac. Alors, c'est un joueur, Golden 23. Alors, oui, je l'avais pas reconnu effectivement la dernière fois. Merci beaucoup, je n'ai plus ton pseudo en tête qui me l'a dit quasiment tout de suite dans les commentaires de la vidéo. Au niveau de l'attaque, pas de bon dribble. Bon, ok, c'est plus un passeur en 5600, c'est pas ouf. 7000, on est quasiment à 7008 en tacle contre interception, 7002. Donc voilà, c'est un défenseur équilibré, en tout cas sur ses stats de défense. Bon, pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Et en physique, rapidité, puissance, ça pêche un peu légèrement. Par contre, 7314 en technique, on est pas mal, donc interception technique. On démarre plutôt pas trop mal, c'est un défenseur évidemment. Cohésion, 5 joueurs non jab de type vitesse, tout paramètre plus 20%. Ok, le lead, tout va bien. Maître de la bonne lecture du jeu, vous venez de le voir, paramètre plus 40%. Ok, très fort. Très très fort. Voilà, donc stat de base, pas folle, c'est-à-dire que si vous faites pas le bon choix, compliqué. Par contre, si vous faites le bon choix, c'est moins compliqué, tout de suite. Interception, tempête de sable à 455. Donc une nouvelle interception. Ouais, il y a une coupure parce que j'ai vérifié. Il y a une nouvelle interception pour O'Hairan, très forte. Enfin, nous forte, 455, on est bien. Bien plus forte en tout cas que la dernière. À cela, on pourra lui rajouter un petit tacle S, un petit contre S si vous avez une passe S, puisque visiblement il n'a pas l'air mauvais en passe. Pour la relance. Et après, avoir peut-être que simplement des SP de rang A suffira, vu qu'il y a 40% sur la bonne lecture. À voir. Alors, il est potentiel, évidemment, ce garçon. 2% pour tous les joueurs, avec 3 joueurs, au moins 3 joueurs Golden 23 dans l'équipe. Donc ça, très bien. Alors évidemment, on joue pas énormément avec les Golden 23, mais ils ont l'air de revenir quand même. Donc voilà, 2%, on est bien. Il y a au moins 3 joueurs. Voilà. Rien à dire par rapport à ça, c'est plutôt très très bien. Seulement d'une technique spéciale adverse, ça c'est toujours extrêmement cool, surtout quand on a la bonne lecture du jeu, là c'est très 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 fort. Donc du coup ce n'est qu'à 60%, 60% c'est pas énorme, mais vu la force de l'association entre la bonne lecture et le segment de TS, on est bien. Récupération très fort également, 50%, donc encore une fois ce sont des potentiels qui sont très forts, mais les pourcentages ne sont pas forcément extrêmement élevés. Ça compense un petit peu, on est à combien? On a 1122 d'endurance. Ça vaut mieux avoir de l'endurance quand on a ce genre de. Ce genre de potentiel. Donc du coup c'est un joueur qui va jouer potentiellement souvent, bien qu'il soit en défense. Il va peut-être aller régulièrement au duel. Donc peut-être effectivement privilégier des spé de rang A. Voilà, s'il scelle la bonne spé, enfin s'il scelle une spé, pardon, la spé de rang A, on va voir ses stats, mais ça devrait passer dans pas mal de cas. Ça permettra d'économiser l'endurance, à voir. Tueur de type force, 7% en plus face aux forces, donc on a 47%, et tueur de non-jap, 7% en plus, c'est-à-dire qu'il peut monter à 54% contre les non-jab de type force, genre les Michael quoi, hein. Ça peut être extrêmement fort. Et bah écoutez, on va regarder tout ça, on va aller sur la Second App sur Android, sur le Play Store. Voilà, disponible, le lien est dans la description bien entendu. Oui, ça sortira sur l'App Store, mais je ne sais pas quand. Voilà. Alors, on va aller rentrer ses stats, on va commencer par regarder ses stats d'interception, c'est sa meilleure spé, c'est sa nouvelle spé en plus, donc on va aller regarder ça, petite coupure et je rentre les infos. Voilà, on reste en 72, formation physique, j'ai rentré les infos, on est contre un non-jap rouge, évidemment. Voilà, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, j'avoue que je sais qu'il va être très bon. Mais ce que j'aimerais voir, c'est dans le classement. Est-ce qu'il va exploser le classement ou pas? Parce que 54%, j'ai du mal à me rendre compte. Mais il a... voilà. Bref. Trêve de bavardage. 152 800.
Ok, on est vraiment pas mal. 33 585 stats que vous ne verrez pas encore une fois à l'écran, puisque c'est une bonne lecture du jeu, ça ne s'active que si vous faites la bonne lecture. Et pour ça, il faut que le duel se lance, et donc on appuie l'affichage des stats. Mais on a 152 800 contre les non-jap rouges, ça veut dire qu'on va aller venir gratter, on va venir devant Wilson. Wilson qui est très très fort, hein. Devant l'interception d'Eric Schmidt. Voilà, on va être derrière le Jito Dreamco, mais ils ont des spés supérieurs, il me semble, si je dis pas d'Andri. Le Jito Rising et le Jito Dreamco qui sont les deux meilleurs dans une situation classique, puisque devant le Galvan et le Devi atteignent ce niveau-là, ce niveau de psychopathe, parce qu'ils sont tueurs de 1-2, donc c'est beaucoup plus spécifique. Et au-dessus, bah, le Matsuyama. Moi j'avais fait confiance à Dédé, oui je le balance dans la vidéo, je m'en fous. J'avais fait confiance à Dédé, comme quoi il était possible, sous certaines conditions, que Matsuyama utilise son boost de 100% en défense, et visiblement c'est pas possible. Bah, dites-le-moi tiens dans les commentaires, est-ce que je fais bien de mettre Dédé au pilori? Ou est-ce qu'il avait raison? Bref. Donc, il se retrouve, c'est quasiment le meilleur intercepteur du jeu. On n'est pas loin, hein, devant, il y a deux monstres. Très fort. Très, très, très fort. Contrôle et non-jap. Rouge, on va aller regarder. Je vais sauvegarder. On va regarder tout simplement contre un jap. Contre un jap bleu, contre un jap vert. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas 14% contre les non-jap rouges. C'est qu'il a 7% contre les non-jap et 7% contre les rouges. Ce qui veut dire que si c'est un jap rouge, il a quand même les 7%. Et si c'est un non-jap d'une autre couleur, il a quand même les 7%. Ça permet de gratter des stats à droite, à gauche. C'est plutôt très intéressant. Dès qu'on se retrouve face à un jap ou un asiatique, un joueur asiatique. Un jap. Je suis con. Un non-jap, c'est un joueur qui n'est pas jap. contre un jap donc, qui n'est pas rouge, on se retrouve quand même à 30 700 sur le duel. Et quasiment 140 000, c'est très très fort. C'est très 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 fort, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ok, très très fort en interception. Ce qu'on va aller regarder, donc ça va être. On va regarder tout simplement son tackle, sachant que son contre sera à peu près au même niveau. Faut juste regarder, je regarde vite fait en même temps avec vous. Oui, le tackle, si vous avez le défense pressing des sables, effectivement, qui est à 475. Sinon, c'est un tackle à 455, sachant que son contre est à 440. Donc le contre sera légèrement en dessous que le tackle. Mais on va regarder le tackle, ça nous donnera déjà une bonne idée. Voilà, donc forcément, je l'ai mis sur meilleur tackle. Évidemment, et on va regarder. Alors, les tacleurs dans le jeu sont des bourrins. Donc, on enlève Matsuyama, évidemment. On se retrouve avec le Jito Rising en seconde mi-temps. Hein. Je vous rappelle qu'il a 30% de stats quand il rentre en seconde mi-temps. Et ensuite, on a les Akai qui sont contre des. Alors, ce Akai-là, vous voyez ma flèche, j'espère. Vous voyez ma flèche ou quoi? Ouais. Ce Akai là c'est contre Levin il me semble. Donc un joueur qu'on rencontre assez souvent, c'est pour ça que je l'ai gardé. Là typiquement ce Gentile c'est vraiment contre Aoi. Bah, pareil, c'est un joueur qu'on rencontre très souvent, c'est pour ça que je l'ai laissé. Mais vous voyez qu'il se retrouve à 154 000. Il rentre dans ce top devant le Misugi. Bah, voilà, qu'est-ce que je vous dis. Il est dans le top interception, il est dans le top tackle. En contre, alors je ne vais pas rentrer ses stats, je vais simplement regarder le. Tac, tac, tac. Simplement regarder le classement des contres. Voilà, il sera pas dans le top, je pense pas. Mais il sera pas très loin. Il sera plutôt un contreur correct, on va dire. Bah voilà, qu'est-ce que je vous dis, moi. Très bon joueur. Très, 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 très bon joueur. Voilà donc pour le O'Iron, très bon joueur, très très bon joueur, énorme. Avec la coupure, je pense que je suis en train de me répéter là. Bref, ça, après son portail, pour en parler rapidement, c'est un portail 3%, 0,42 pour chaque joueur, donc c'est pas ouf. Par contre, ils ont mis un palier. Est-ce qu'on va le voir le palier tac tac tac, ça va être à la fin, je pense. Du coup, je pense. Non. On va cliquer, on va l'avoir là.
30 Dream Balls, 40 Dream Balls, ensuite 30%, rien du tout, un joueur est sélectionné garanti. Donc on est à, là on est à 150, 150 plus 80, ça fait 230 Dream Balls, c'est exactement ce que j'ai dit donc. Oui, j'ai fait un craquage sur le Dreamfest et je me suis viandé, et alors 230 Dream Balls pour avoir un des joueurs sélectionnés garanti, donc un des quatre qui est là. Voilà, donc bon, un portail pas ouf, hein, 30 portails, 3%. Le write-up, bah forcément, en post-anniv et après les Dreamfest, un write-up pas ouf, je viens de vous dire, mais il y a la petite speed de Malgas à aller chercher éventuellement si vous l'avez pas eu, peut-être coup de lance. Donc à voir. Oui, moi je vais craquer un peu parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement, j'en ai marre. J'ai envie de craquer. Mais ce sera dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur OIRAN. Et on se retrouve très bientôt sur Socan Games pour d'autres vidéos, d'autres analyses, d'autres folies, d'autres lives, etc., etc. Ciao, ciao, ciao là. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.